Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, d'abord, j'espère que vous allez bien, hein, tant qu'à faire. Hein, d'abord, je pense à vous. Hein, alors, prenez soin de vous, c'est le principe. Ensuite, aujourd'hui, on va regarder ensemble. Alors, je vous avais déjà montré mon petit album Noël. Mais je ne l'avais pas montré fini. Donc maintenant qu'il est fini, je vous le montre. Allez, on va basculer directement. Voilà. Voilà mon petit album de Noël. Alors le voilà, tout fini. Avec ces petites breloques sur le côté. Alors vous voyez, ici j'ai mis un petit bouton lapin. Ici un petit cœur. Ici j'ai mis d'autres petits boutons rouges. Là j'ai mis des petits boutons transparents avec un petit cœur là, voilà. Là j'ai mis un autre cœur, voilà. Ça, tout ça c'est Noël. Ici j'ai mis des petites perles qui viennent de chez Bibicraft avec un petit bouton. Tout ça c'est collé à la colle chaude, hein. J'ai tout collé à la colle chaude, voilà. Derrière, il y a une petite fleur comme ceci en mousse, et de l'autre, j'ai mis une petite étoile en polystyrène. Oh, il y en a un qui est en train de tomber. Il y a un truc qui tombe. Je vais recoller devant. Faudrait que je recolle. Devant, vous avez pareil la petite fleur là, la petite étoile, des petites fleurs superposées. Ici, j'ai mis une petite photo de fleurs que j'ai eu dans chez Action. C'est un bloc où il y a des petits trucs comme ça. Là, j'ai fait un. Avec un die, j'ai coupé pour faire ça. Là et là, c'est du découpage de la publicité. Là, j'ai mis des petites roses. Et là, les petits cœurs qui arrivent de chez Action aussi. Alors, on défait de chaque côté les petites choses. Voilà, les petits rubans. Voilà. On ouvre. Comme ceci. Voilà. Bon, voilà. Et je sais pas trop si on va bien voir. Hein. Attendez. Hop, je remonte. Alors voilà. Alors là, c'est pareil. C'est de la superposition tout ça. Et puis des petits diamants comme ça. Voilà. Et ici. Oups. Ici, vous avez la même chose à l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est des napperons les uns sur les autres. Et ça, c'est les déchets des napperons. Vous avez il restait que ça, là, tout autour, là. Et je les ai mis là avec une petite fleur. Et puis tout autour, il y a des brillants. Et là, vous avez Papa Noël, évidemment. Voilà. Qui est maté avec un. Du moins, j'ai mis un petit truc derrière, pour faire plus joli. Voilà. Alors ici, vous l'avez vu la dernière fois, j'ai la voiture du Père Noël, le sapin de Noël, Papa Noël ici. Là, c'est un petit bonhomme de neige avec les petits cadeaux. Ici, c'est pénible parce que là, je... Attendez. Attendez, excusez-moi, je vous fais bouger. Voilà. Donc là, vous avez du pain, c'est du pain pied, du sopalin que j'ai mis comme ça. Voilà, le petit bonhomme de neige. Tout ça, c'est des découpes. Voilà. Voilà. Et ici, vous avez
le petit bonhomme de neige qui est ici, avec les cadeaux, les sapins. Voilà, là, je crois que ça, c'était déjà fait comme ça, hein, je crois, quand je vous l'ai montré. Voilà, ici, c'était, ça fait la neige, là. Ici, là, vous avez les décos de Noël, comme ça, mais je crois que ça, je vous l'avais bien montré aussi. Ici, ça, je vous l'avais montré. Voilà, là, j'ai mis un petit déco comme ça. Voilà, voilà le Père Noël, encore une fois le Père Noël là, ça vient des cartes de chez Action, ça, hein, tout ça. Le petit sapin, le petit cheval, la petite croix, voilà, ensuite, hop, on tourne, ici on descend ça, alors voilà, le petit bonhomme de neige, je lui ai ajouté quelques petites perles, là aussi j'ai mis des petites croix supplémentaires, des petits serpentins, un petit nœud. Voilà, ici, hop, vous avez vu, j'ai mis des petites perles supplémentaires, voilà. Ensuite, ici c'est pareil, j'ai mis quelques perles supplémentaires, là je l'avais pas fait, je crois. Donc là, eh ben, j'ai fait du serviettage comme ça, j'ai mis les petites serviettes que vous m'aviez offertes, je les ai découpées et j'ai mis les petits cadeaux, le Père Noël, etc. Là, j'ai fait une allusion à mon camping-car, donc j'ai mis découpé le jouet camping-car et puis je l'ai collé là. Là, c'est l'étoile filante sur laquelle le Père Noël il est. Voilà. Ensuite, ici, de ce côté, ben, j'ai rajouté des petites perles au Père Noël. Ici, des petits nœuds. Voilà le sapin de Noël. Voilà. Fait des petits serviettages. Ici. Pareil, le papillon que j'ai doublé, alors un noir et puis un doré. Voilà, les petits cœurs pareil, le sapin pareil, c'est tout doublé, l'étoile j'ai doublé aussi. Voilà, là je lui ai mis des petites perles supplémentaires. J'ai habillé le sapin pour le décorer aussi. Comme ça, il est tout brillant, il est tout beau. Voilà, voilà, ici. Pour que ça soit tout simple, j'ai laissé tout simple le Père Noël avec ses étoiles. Hein, et là, c'est le Père Noël qui est avancé, donc évidemment, il y a du brillant partout. Voilà. Donc ça, c'est mon album de Noël que je vais offrir à mon petit-fils. Avec, je le ferme, voilà. Et je vais marquer 2020, Noël 2020 dessus, hein. Voilà. Parce qu'il va avoir ses 2 ans et voilà, je veux qu'il s'en souvienne, voilà. Et je lui ai fait un calendrier. Alors là, j'ai pas, c'est pas tout à fait sec. Alors je fais très attention. Un calendrier de l'Avent. Et voilà. Voilà mon calendrier de l'Avent. Donc c'est tout simple, hein. Hop, tiroir, dedans il aura ses petits gâteaux, voilà, ou ses petits bonbons, voilà, j'ai mes 24 cases, alors plus ou moins grandes, et puis j'ai celle-là pour le 24 qui sera très grande, pour lui offrir plusieurs gâteaux à la fois, voilà, vous voyez, hein, j'ai mis des petits brillants comme ça, c'est ça qui n'est pas sec, hein. C'est du gel, donc c'est pas tout à fait sec, voilà. Voilà, c'est mon premier calendrier de l'Avent, c'est pour mon petit-fils. Et j'ai fait ça, alors je vous montre, justement j'en parlais dans la vidéo précédente. Dorénavant on va faire comme, sur ma chaîne ça sera ça, des petites astuces pour pas dépenser d'argent, pas trop. Hein. Évidemment on a besoin quand même de matériel, moi j'ai eu besoin de matériel quand même, mais le moins d'argent possible. Ça c'est par exemple des feuilles de mousse qui me restaient. Ici c'est des petits rubans, vous savez les rubans que l'on offre au paquet cadeau, hein, voilà. Ici c'est de la mousse aussi collée sur du papier, là aussi c'est de la mousse, tout ça ça me restait d'Espagne, voilà. Hein, après bon
C'est vrai que c'est plus de travail, c'est plus de temps. Mais bon, faut pas. Comme c'est pour mon petit-fils, moi j'estime que tout le temps que j'y ai passé dessus, il le mérite. Et là j'ai mis le petit Père Noël qui va venir dans la maison, évidemment, pour lui offrir tous ses petits cadeaux. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. Alors moi c'est des cartons récup. Hein. Tout ça c'est de la récup. Bon, ça c'est. Je préfère vous le dire d'avance que c'est que de la récupération. J'ai eu des cartons de chez Amazon. Quand je reçois des trucs de chez Amazon, je garde tous les cartons. Hein, et comme ça, voilà, je les défais. Et je défais. Hop, je le mets à côté parce que j'ai pas du tout envie qu'il s'abîme. Alors voilà, je reçois ça. Je reçois mes enveloppes, je les défais et je peux faire des choses avec. Alors c'est vrai que c'est pas rigide, mais comme je mets du papier de chez Action par-dessus, ça redevient beaucoup plus rigide. Et si je vois que c'est pas assez rigide encore, je mets du papier blanc. Mais normalement avec le papier de chez Action à 1,95€, là, ça va très bien. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Voilà. Bon, allez. Alors, on va se laisser. Je ne sais plus parler. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais y arriver. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Alors, non, je voulais juste vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Voilà. Voilà. Alors, oups. Pour l'instant, j'ai fait que ça. C'est une petite carte que je vais fabriquer. Je vous montre juste ça. Voyez, hop. Pour l'instant, j'en suis là. Voilà, je mélange, vous savez, je mélange un peu tout, vous voyez. Ouais, voilà. Je voulais vous montrer sur quoi j'étais actuellement. Je suis en train de finir ça et quand je l'aurai fini, de toute façon, je vous ferai une petite vidéo dessus. Voilà. Allez, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral. Et puis partager des vidéos. Voilà. Allez, bisous. À bientôt.